prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Les hôtes virent, ô Dieu, au jour de la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, j'étends les mains sans relâche. Mon âme refuse le réconfort. Je me souviens de Dieu, je me plains. Je médite et mon esprit défaille. Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me souviens de mon chant. Je médite à mon cœur, le Seigneur fera-t-il que rejeter? Ne sera-t-il jamais plus favorable? Oublie-t-il d'avoir la pitié? Dans sa colère, a-t-il fermé ses entrailles? J'ai dit une chose de faire mal. Dans ma vie, le roi a changé. Je me souviens des esprits du Seigneur. Je rappelle ma merveille déjà dit. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu. Dieu est le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez le peuple sa force. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Les nuages déversèrent les eaux, les nuées donnèrent de la voix, la foudre frappée de toutes parts. Par la mer passer son chemin, tes sentiers par les eaux profondes, et lui ne connaît les femmes. Tu as conduit comme un flou au son peuple, par la main de Moïse et d'Aaron. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Au Saint-Fier pour vos enfants, au Saint-Fier pour la paix, au Père de la mer, amen. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Alléluia. Mon cœur
résulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Au passage, je suis venu la bouche, et je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi, pas de rocher pareil à notre Dieu. Assez de paroles hautaines, pas de silence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos âmes. L'arc de fer sera brisé, mais le fer arrivé de verrier. Quand la stérile affronte cette foi, la femme au fil nombreux des péris. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il l'abaisse et il élève. Ou qui siège parmi les princes, que soit un trône de gloire. Ô Seigneur, les colonnes de la terre, sur elle il a posé le monde. Il est séparé de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. Le Très-Haut tombera dans les cieux, le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi, il relèvera le front de son Messie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La lumière s'est levée pour les justes. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie dans les îles sans nombre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Ô tout servant, au Sion qui entend de grandes joies, les villes de Juda exultent devant des jugements, Seigneur. Tu es Seigneur, le Très-Haut, sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde sa vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur.
chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. En ce jour-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : Partez. Tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent et dès l'aurore, ils entraient dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer : Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'attendent et sois en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous voulez lire l'Évangile? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. A tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, proclamé par l'abbé Barthélemy Coahuila du diocèse d'Obala. Mesdames et messieurs, à présent, écoutons l'homélie que va délivrer son éminence le cardinal Robert Sara. Bien, chers frères dans l'épiscopat, chères sœurs, je voudrais dire ma gratitude pour votre accueil, déjà hier, à l'ouverture de votre assemblée, vous m'avez accueilli avec solennité. Et hier après-midi, dans la basilique consacrée à Notre-Dame, et ce matin encore, vous m'accueillez à l'Eucharistie. Le cœur de notre vie. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour cette marque d'amitié, de fraternité. Je serai bref durant cette petite homélie puisque j'espère que vous m'accorderez un petit moment pour méditer avec vous plus longuement sur l'unité de l'Église, l'unité de l'enseignement doctrinal et moral de l'Église aujourd'hui bien menacée. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Toute l'histoire du salut est résumée dans ce verset et peut se réduire en trois mots. Le premier, l'amour débordant de Dieu pour Jésus-Christ dans l'Esprit-Saint. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour débordant donc de Dieu pour Jésus-Christ dans l'Esprit. Et la foi
qui est la réponse d'acceptation totale de cet amour présent en Jésus-Christ. Et troisièmement, l'adhésion à sa personne et à son message de vie. Dieu qui est amour nous donne son Fils unique. Il le donne jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à son amour vers nous. Il est fidèle, il aime les siens, il nous aime jusqu'au bout. L'amour de Dieu en Jésus-Christ n'a pas de limite. Et Dieu ne fait exception de personne. Il fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Et avec lui, il nous donne la vie. Il nous donne sa vie, qui est la vie éternelle. Cet amour a totalement bouleversé Saint Augustin. Il a totalement bouleversé Saint Paul, qu'il a pu lui-même répondre totalement en changeant sa vie absolument. Et il a pu écrire aux Galates, « Je suis crucifié avec le Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Si nous pouvons être aussi aujourd'hui être bouleversés par la conscience d'être aimé sans limite par Dieu, pour que notre vie soit absolument transformée et que nous puissions changer la vie des hommes. Chacun de nous devrait pouvoir répondre radicalement, sincèrement et dans la vérité à l'amour de Dieu. Chaque jour, sans se lasser et malgré notre indifférence, Dieu nous offre son amour. Il nous l'offre lorsque nous écoutons sa parole. Il nous l'offre lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Dieu est un Père plein de tendresse et d'amour infini pour chacun de nous. Dieu ne juge pas. Dieu ne condamne pas. Il ne s'éloigne de personne. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Mais en s'éloignant de l'amour et de la lumière, chacun se juge soi-même et se condamne soi-même en se vouant à l'obscurité, à la mort. En effet, le jugement de Jésus est celui-ci. Le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Puissions-nous, nous, choisir la lumière que les ténèbres. Seigneur, nous tous qui sommes ici, nous croyons en toi et nous t'aimons. Mais nous t'en supplions. Accrois notre foi et notre amour pour que nous ayons la vie éternelle.
chers amis de RTVC et de Radio Lumen Gemcum dans le diocèse de Bafang. Nous venons d'entendre là l'homélie de son éminence cardinal Robert Sara, une brève méditation axée sur les textes de ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques. C'est un moment de silence ici à la chapelle de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Les évêques et les archevêques méditent profondément sur cette brève méditation que son éminence cardinal Robert Sara a partagée avec eux. L'attirer son fils des ténèbres, qu'il nous fasse aujourd'hui marcher dans la lumière. Sois notre Dieu de Jésus-Christ. Dieu de lumière, pénètre nos cœurs de ta clarté, pour qu'en toute vérité nous puissions te prier. Sois notre Dieu de Jésus-Christ. Purifie nos intentions, fortifie nos désirs, rends nous fermes dans l'assurance qui nous fait crier vers toi. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Fais que nos yeux te voient dans les pauvres et qu'avec eux nous t'implorions. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Réjouis-nous de tes biens tout au long de ce jour et sur de ton amour nous pouvons chanter. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Nous t'offrons notre assemblée. Toi, notre Dieu, notre roi, guide-nous afin que nous soyons des pasteurs selon ton cœur. Nous te prions. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père.
Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et pour le bien de Christ. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous sommes ta résurrection. Nous attendons ta venue, ta gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as dignes de te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le trou sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous sommes pas entrés en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Mesdames, Messieurs, recevons la paix du Christ et nous vivons de la part de son éminence cardinal Robert Sara, qui est le célébrant principal de cette célébration eucharistique que vous suivez ou que vous écoutez en direct de nos antennes. La paix du Christ soit avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Et cet instant désormais est consacré à la communion. Les évêques et les archevêques communient au corps et au sang du Christ, d'abord en premier, comme nous pouvons le voir en image, son éminence cardinal Robert Sara, ensuite les évêques, les archevêques. Il faut d'ailleurs souligner que quelques fidèles laïcs prennent part aussi à cette messe pontificale. Parmi eux, nous pouvons noter la présence de la célèbre femme d'affaires, la sénatrice Mami Nyanga, qui est aussi présente dans cette chapelle. Alors, pendant que nos évêques communient au corps et au sang du Christ,
permettez-moi de vous rappeler très rapidement le programme de cette journée. Eh bien, il s'est ouvert par cette messe et précédé de l'office des Laudes présidé par l'abbé Barthélemy Okoua Orona du diocèse d'Obala. Après cette belle célébration eucharistique, les évêques prendront leur petit déjeuner offert ce jour par Maminyanga. Après ce petit déjeuner, il faut dire qu'ils auront un huis clos précisément à 9h avec le préfet émérite du culte divin et de la discipline des sacrements. Ce sera un très beau moment d'échange, nous supposons. Il y a déjà, lors de la messe solennelle d'ouverture des travaux et messe d'action des grâces d'élection du 11e anniversaire du pontificat de sa sainteté le pape François, le prélat guinéen invitait déjà les chrétiens rassemblés à la basilique Marie-Reine des Apôtres de prier pour leurs évêques chaque jour afin qu'ils continuent de leur enseigner la sainte doctrine de l'Église, afin qu'ils continuent de sanctifier le peuple de Dieu dans sa relation avec Dieu. Donc nous supposons que cet échange, ce huis clos à 9h avec son éminence cardinal Robert Sarah sera forcément très riche. Et au cours de cette journée, il y aura 7 commissions. Cette commission d'abord de 11h à 12h, les évêques entendront 3 commissions. Il s'agit de la commission pour la communication sociale, la commission épiscopale pour la vie consacrée et la commission pour l'éducation catholique. Et un peu plus tard, c'est-à-dire dans l'après-midi, à partir de 16h jusqu'à 17h30, 4 commissions seront, je dirais, évaluées. Il s'agit bien sûr de la commission épiscopale pour la santé, la commission épiscopale pour la justice et la paix, la commission épiscopale pour la caritas et enfin la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs. Et après donc ces rapports de ces 7 commissions qui seront présentées à nos évêques ce jour dans le cadre de leur de cette assemblée plénière, à 18h30, le départ est prévu pour la nonciature. Oui, parce qu'à 19h, les évêques vont dîner avec le nouveau nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, son Excellence Monseigneur José Avelino Betancourt. Voilà ainsi déroulé, chers amis de RTVC et de Radio Lumen Diensum, le programme de nos évêques en cette journée de ce mercredi 10 avril 2024. Nous vous rappelons que leurs travaux prendront fin le samedi prochain à partir de 9h avec la lecture du communiqué à final. Son éminence cardinal Robert Sarah, qui est présent dans cette chapelle, il a exprimé sa gratitude et sa joie en tout début de sa méditation de célébrer l'Eucharistie avec les évêques du Cameroun. Et dans sa méditation aussi, nous avons pu noter quelques points essentiels. Il a résumé sa méditation sur 3 points. L'amour débordant de Dieu pour Jésus-Christ et cet amour qui a totalement bouleversé Saint Paul, Saint Augustin, a-t-il dit. Il a notamment indiqué que chacun de nous devrait répondre sincèrement chaque jour sans se lasser à l'amour de Dieu. Malgré notre indifférence, Dieu nous offre son amour dans l'Eucharistie, dans sa parole. Dieu ne juge pas, il ne condamne pas, il ne s'éloigne pas. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Voilà les mots de son éminence cardinal Robert Sarah. Le deuxième point de sa méditation, c'est la foi. La foi qui, selon lui, est l'acceptation totale de l'amour de Dieu. Et enfin, l'adhésion à sa personne et à son message de vie.
hier déjà aussi, nous avons eu droit encore à une très brève catéchèse délivrée par son éminence Robert, par son éminence cardinal Robert Sarah, qui a partagé avec les fidèles laïcs trois points essentiels sur lesquels nous devons bâtir notre vie chrétienne. Il a parlé de la croix, parce que le Christ s'est donné pour nous sur la croix. Il a évoqué également l'Eucharistie, Dieu qui se donne la nourriture pour nous. Et nous devons manger son corps, nous devons boire son sang, pour que son sang coule dans nos veines et pour que nous puissions être divins. Il a aussi parlé de l'écoute de la Vierge Marie et que chaque jour, le chrétien doit pouvoir méditer son chapelet. Il a pris cette belle image que j'ai personnellement appréciée. Le chapelet est comme ce pagne que une maman attache son bébé sur le dos. Alors c'est le chapelet qui nous conduit vers le Seigneur. Nous devons chaque jour méditer le chapelet. Il est aussi venu sur un point très important, parlant de l'Eucharistie, en faisant savoir que la messe est un sacrifice de Dieu et non pas un théâtre. Il a pris cet exemple dans les mosquées. On n'admet pas les photographes. Et voilà pourquoi il a demandé au pape François qu'on doit interdire les photos. Il a donné son fils unique. Ceux qui croiront en lui, ils vont éternellement. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, par la main de tous nos oppresseurs. Oh, l'homme qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, c'est moi juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que nous livrions la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la force du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visitera ce grand haut. Pour illuminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de l'amour, pour conduire nos pas au chemin de la paix, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ceux qui croiront en lui vivront éternellement. Alléluia. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia. Amis de RTVC et de Radio Lumen Gensoul, notre partenaire dans le diocèse de Bafan, ainsi vient de s'achever cette messe pontificale de ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques, laquelle célébration eucharistique a été présidée par le préfet émérite du culte divin et de la discipline des sacrements, son éminence cardinal Robert Sarah, qui est en visite d'amitié depuis quelques jours déjà au Cameroun. Et depuis quelques jours également, il prend part aux travaux de cette 49e Assemblée plénière des évêques du Cameroun. Nous avons été nourris spirituellement de la parole de Dieu ce matin. Nous supposons que vous également, à travers nos antennes et pourquoi pas en communion avec les évêques et les archevêques du Cameroun, vous avez pu aussi, n'est-ce pas, être réconfortés dans votre foi à travers surtout la belle méditation que nous a proposé ce jour le prélat guinéen, son éminence cardinal Robert Sarah. Et nous tenterons bien sûr d'avoir quelques d'arracher au passage, pourquoi pas, quelques impressions des évêques qui ont préparé au cours de cette messe et de voir d'ailleurs, leur appréciation jusqu'ici, les travaux qui se sont ouverts officiellement hier, quelles sont leurs impressions, quelles sont justement aussi leurs attentes. On verra tout cela et pourquoi pas aussi arracher les impressions de quelques fidèles laïcs. Ils étaient nombreux ce matin à avoir aussi communié avec les évêques au cours de cette Eucharistie. Et donc, voilà, nous allons nous approcher de quelques-uns, pourquoi pas. Madame, bonjour. Vous êtes en direct de Radio et Télévision Veritas. Approchez-vous d'ici, madame. Approchez-vous. N'ayez pas peur, madame. Juste avoir vos impressions. Alors, ici, madame, bonjour. Veuillez, s'il vous plaît, juste arracher vos impressions. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir communié à l'Eucharistie avec les... Oh, c'est une impression très bonne. C'est-à-dire, on voit la beauté de l'Église catholique, le cérémonial. Voir tous ces parterres d'évêques, d'archevêques. Merci beaucoup, madame. Très belle journée à vous. Et nous allons aussi, pourquoi pas, recueillir les impressions de notre père archevêque, l'archevêque métropolitain de Douala, son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, qui certainement interviendra en direct de nos antennes. Monseigneur, vous regardez tout droit au fond. Bonjour. Alors, rendu à quelques jours, n'est-ce pas, des travaux de la 49e Assemblée plénière des évêques du Cameroun, quelles sont vos impressions par rapport aux travaux qui se déroulent? Les travaux se déroulent très très bien. Ben, ce qui est important, c'est un temps de recueillement, un temps de prière, un temps de partage fraternel. Et c'est cela qui est important. Et puis, dans ce climat-là, ça nous permet, n'est-ce pas, de revoir un peu, d'examiner un peu la vie de notre Église, ce que nous faisons, notre mission comme prêtre chargé d'annoncer l'Évangile. Et tout se passe bien. Alors, hier, vous avez donné la feuille de route de cette assemblée plénière au cours de la cérémonie d'ouverture. Quelques points, n'est-ce pas, ont marqué les Camerounais. Vous invitez les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, compte tenu du fait que notre pays va organiser en 2025 l'élection présidentielle. Ah ben justement, c'est très important parce qu'une élection présidentielle
se prépare. Dans ce sens qu'on doit choisir des hommes capables, n'est-ce pas, de diriger notre pays, de répondre à toutes nos aspirations. Parce que ben, un pays bien gouverné, ben, c'est un pays où, n'est-ce pas, chacun, le droit de chacun est respecté. Alors, s'inscrire sur les listes électorales, j'ai déjà plusieurs fois dit invité les Camerounais, effectivement, à s'inscrire sur les listes électorales. Et non seulement ça, et qu'ils soient prêts, n'est-ce pas, que ces élections-là soient organisées de manière libre et transparente, et que chacun se dise mes droits de citoyen doivent, n'est-ce pas, être respectés. Cela est très important. Vous insistez sur la transparence de ces élections. On se souvient qu'en 2018, avec l'élection présidentielle, vous avez dénoncé que dans certaines régions, notamment dans la partie septentrionale, les élections ne s'étaient pas déroulées dans la transparence. Bien sûr, c'est sûr, quand ce n'est pas ça, il faut le dire. Pour le dire, si on organise des élections, ben, ceux qui ont été choisis de manière libre, ce sont ceux-là qui gouvernent. En principe, c'est cela la loi. Voilà. Il n'y a pas autre chose. Alors, pour sortir, quel message vous envoyez aux chrétiens de l'archidiocèse de Douala en rapport avec cette assemblée plénière des évêques du Cameroun, Monseigneur? Je leur souhaite bonne fête de Pâques. Merci, Monseigneur. Bonne continuité des travaux à vous. Merci également à vos chers amis de RTVC et de Radio Lumen Gensoum dans le diocèse de Bafan. Nous vous retrouvons à très bientôt, voilà, pourquoi pas, pour vous permettre de suivre la suite des travaux de cette assemblée plénière des évêques du Cameroun, ici même à Volier, au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Merci à toute notre équipe technique, Alain Osumba, Fidel Mebenga, Delmas Tambou, Valérie Djoko, sous la supervision de notre directeur des programmes, Abbé Jean-Bernard Nguyen. Bonne journée à vous. Bala, bami, bama, soa, eh. De bala, bami, bossi, mime, eh.